Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Naris et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai achevé ce style. Aujourd'hui, j'utilise l'expression extension du papier perm. Ça aide à adoucir les bouts de vos extensions. Des rouleaux pliés. De l'eau pour adoucir vos extensions avant de les rouler. Maintenant, je vais séparer mes extensions. J'effleure mon extension avec quelques gouttes d'eau pour adoucir la surface. Sans oublier le papier perm qui est très bien pour adoucir les bouts des extensions avant de commencer à le rouler. Vous êtes à la fin, maintenant vous allez sécuriser pour qu'elle reste en place. Dès que vous avez terminé, les amis, y mettre de l'eau chaude et laisser 1 à 2 minutes, puis les enlever. Laissez sécher 2 à 3 heures de temps. Maintenant, vous pouvez défaire vos extensions sur le roller. Et j'ai déjà fait une et puis ça, c'est très joli, j'adore. Ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour commencer mon crochet braid. Maintenant, je vais commencer à faire des nattes sur mes cheveux. Ça, c'est la partie la plus difficile, mais j'ai l'habitude. Terminé à faire mes nattes, voilà d'où j'en suis. Déjà avec mon crochet braid, vous pouviez suivre la technique que j'emploie pour achever ce style vraiment, vraiment très, très chic et naturel. We'll be right back.
Alors, quelque chose de très très important que vous deviez savoir quand vous êtes devant, franchement, pour ceux qui ont des problèmes des cheveux, des chutes, etc., des cheveux sensibles ou des cheveux très très thin, il faut être vraiment très 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 doux avec vos cheveux quand vous atteignez déjà ce niveau. Maintenant terminé, je vais le tailler. Voici la fin de ma coiffure crochet braid. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Alors, si vous l'avez fait, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et chaque semaine, il y aura une vidéo que je publierai. Alors, il ne faut pas manquer. Au revoir. Bisous, bisous.